courez voir La Reine des Neiges 2. Oui. Dans un autre monde. Je ne veux plus perdre une seule seconde. J'irai là où tu vas, dans un autre monde. Moi, d'arriver dans l'aventure, c'est un film magnifique. Donc, on a vraiment hâte que le public le découvre parce que c'est vraiment... Ouais. On est tout excités. Ouais, on est trop excités. Le plus gros challenge, c'est de rendre service aux belles images, à la super histoire qui a été concoctée. De faire rêver toutes les générations avec ce film. Ouais, c'est ça. Pour moi, rien ne change. C'est toujours ta main dans la mienne. Les jours se ressemblent. On s'aimerait quoi qu'il advienne. Comme un mur de pierre résiste à l'hiver. Tu m'aides à rester debout. C'est le côté d'Anna qui est très dans la naïveté, mais toujours et qui en même temps a toujours envie de faire mieux et de qui met toujours les pieds dans le plat. Qui est très spontanée. Qui est très spontanée, très mais qui fait toujours un peu des bourdes aussi, qui se reprend et qui fait des trucs assez rigolos. Je me retrouve assez. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'identifier à Anna, qui s'ils se sont pas déjà identifiés à Anna, qui vont encore plus s'identifier à elle. Waouh! Papa, cette histoire est incroyable. Et puis là, dans le 2, Elsa, elle part vraiment, elle a une sorte de quête intérieure, elle part à la recherche de réponses sur son passé. Donc je pense que n'importe qui, en fait, peut s'identifier à ce genre de recherche intérieure pour comprendre l'origine de ses pouvoirs, d'où elle vient, pourquoi elle est comme elle est. Ça, je pense que ça peut parler à petits et grands, tout le monde. Elsa, le passé recèle de grands mystères. Traverse les terres enchantées. Et explore ton jardin secret. C'est vraiment une aventure d'héroïne, un truc épique. Et je pense que tout le monde a envie de passer un moment comme ça, surtout vers les fêtes de Noël. On a tous envie de se retrouver à voir un film Disney. Et se retrouver pour un moment de partage en famille, entre amis, et vivre vraiment une aventure avec de l'humour, une intrigue palpitante. Donc non, c'est vraiment... Courez voir La Reine des Neiges 2. Oui.